تيزليت تيد مثلا ما كاين اتسلام صغور سكت العربي اقلا غيد ون ذي راديو ني ميديا كون ويد كون متي دي بضون تورا الزور فلا ون نصف يسون الساقيم دنم السلاي غاف وسوير نصمام ويداك تيداك اون لولا را لوان ني اون حذيرا را ايت جراولا نتمورث السان دقوس قردش تمثال سمير لك اكلي سعان يون انفجي يون يري جراولي ون ولد نتساخس ولما مزي لوان ني يحضر ايت جراولا نتمورث وجد مس اسماعيل لامروس سريد سنراغ اصواد ذوني ني غزول فلا ونكن مثلا مزول اكلي زول سمير الزول سونيا الزول يمسفلي ذن مرة عند ملان الزول إسماعيل الزول سمير الزول يكمي الزول وإذا خيرتي سلن لوانكي بشي كافي دمية سونيا سكاسكي سيلفا أوت سكي كوانسيد افيك لو كونغري دو لا سومام دونك ذا هيلا سقارد شاسكي قدماس العروسي دونك انسوفيسك ماس مرحبا بك ارتدي ولد راديو نو ميديا سقارد تمثال انسوفيسي أزول إسماعيل أزول في اللون أزول يكلي أزول سمير أزول صونيا أزول أسلمة تنميرتيك ستون دات شارنيا يعني ثقر ولا الجزائر خطر يعني سي ان بروغرام دي نوهيل qui a permis de relancer la révolution. Elle était un petit peu endormie. Et grâce à des hommes comme Abban Ramzan ou l'Arbi Ben Mahidat, qui ont eu l'idée de ce congrès de l'ALN, eh bien, il y a eu donc une organisation, et Wilaya, etc., donc et même une plateforme révolutionnaire, et une préparation d'année pour un État démocratique et social, etc., dans sa politique générale. C'est une date charnière qui a une importance capitale pour le cours de la révolution. Malheureusement, bien sûr, les événements qui ont couru, qui ont suivi l'indépendance, on n'a pas tenu compte de cette plateforme, on l'a complètement ignorée. On va en parler. Pour ouvrir un petit peu le débat. بمجاهد ويلا قرنتو سي لا جورني دو مجاهد ويلا قرنتو داني ذاش بويدي قلول يون مجاهد بارمي لي شيف هيستوريك ماس حسين اي تحمد هذا سنسي وضع الراحة ذا رحمة يلول لو 20 اوت 1926 دونك ايا قير كلي ادنا هضر نكوني ثمشلت بوسا ثانايا في 20 غشت استقسيم زوالوم السي اسماعيل مني غاكد كتشيني كومام اكاد ناسونيا دوين يعني شفيضة ستيرك بارسكو دي لامر مقرض و دوين يطورشن دوين يدن ذو داريس دوين يعني يتحويسن اشو اقدران دي ثمورثيس مني غاك كو سيمبوليز لفين ويت بورتوا pour l'ancienne génération et celle d'aujourd'hui Pour l'ancienne génération, le 20 août, c'était l'espoir. C'était vraiment l'espoir. L'espoir d'une Algérie indépendante avec une plateforme politique. Pour la génération de maintenant, que voulez-vous que je vous dise Zemrad Dina Belli, elle a été induite en erreur. Elle a été induite en erreur en ce sens qu'elle a été, trompée. Elle a cru en une Algérie nouvelle.
ثمن سمورث استقل تيذت يعني سيون واهيل avec une république démocratique et sociale. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que nous avons eu le Smith après la guerre en 62, après l'indépendance, donc, سواخذة سمورثة قلت زير أمش سواخذة بارسك ديجا وين يدي خلقن وين يدي وذاك اللي يدي خلقن 20 56 توان غان توان غان ils ont été assassinés تنظير donc ils ont assassiné en même temps ils ont assassiné la république démocratique et sociale. Il y a une similitude. Ils ont tué les deux initiateurs du congrès de la Souma, qui allaient donner une plateforme politique à une Algérie indépendante et souveraine. Esmin Ghanir Ghaznagi, ça fait une reine carrément. En même temps, ils ont tué cette Algérie indépendante, et démocratique et sociale. Mais il faut laisser la place aux autres aussi. À peu près, d'abord, hein, quelques témoignages. On avait 12 ans à cette époque-là. On a 17 ans. Il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont assisté, des gens qui... Bon, je m'arrête de ne faire qu'à ta mort, les nards, voilà. OK. OK, Mas Amroussi, donc, de nos rares, c'est une bonne, avec une zrani, nous avons dit le 20 août 56, donc il y a... إلا وقبل الـ 2056 خطرنين الـ 2056 وديكارك أنك كود يسارك أنك كي أمي إلا ذا شو قلال أفون 56 ذايني لان أبري ثقرة ولا 254 إجان إمذان نما عبان بن مهيدي أم زيغوت أم ممكن بالقاسم أم عملو شو ذاكو كي كسو جدني الكونغري دو 2056 دلي حالة قوث لا يمرني في قرولة خطر الطاس دي موسناو الليز إستوريا دي قارن نكوني ذا الجيل بوساكي معنا نقارد أين قرن كتابين أين انتف قرن تدليز إستوريا 54 أما 56 تصبح قرن إيديالنا باري لديكلانشمو دي تغير أولا دونك وكذي تي ديكلانشي ستون بون إيدي دونك وفاند بليك الاستعمار كي أرومي ويتفغارا أرى مكان أذاك نو ريفوليسيون سوى سلسلح كان إفاغ Donc, dès que l'on chine, là maintenant, il y a des choses, c'est l'organisation, je ne sais pas qui n'est, des choses, des choses, qui est le même aussi. Justement, après, on va dire, dans ce sillage-là, la révolution algérienne, son déclenchement du 1er novembre 1954, elle était déjà impréparée. Ou s'adarna, là, qui n'est là, qu'il y a. Ce qui fait. Qui ont décidé de déclencher la lutte armée, ils n'avaient pas eu le temps de réfléchir comment organiser tout ça. Pas mal. Mais on va la déclencher après on verra comment s'organiser. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. D'abord, il me sert le slash ou l'âge. Là, je suis le slash le waxnid, où il s'en fouchine, où il s'en tachapor, sa guerre. Voilà, c'était vraiment une révolution de prolétaires. C'est comme la guerre du pain en 1789 en France. Donc, c'est du tâtonnement. Le hain a smid du fogre à Ben Ramadan et le Hubs. أروح على الغرس يروح على الغرس وعمران كريم أروح نورفع على الغرس بنتين دازوسن اليوم بوزي البروبلم يروح الجزائر اسم الدوكي كبارن يقول لنا خدم من السرفيس اسم الهندي بالكور تقيد سلحو سنة رحمة ربيق تدي حكام
داين لي لاند صح ماشي زياده اسم لا ديك ابرن الى ريو سي لي كونفانكر اي بيان اون بعد كشمن دوك لا ريفولوسيون شمن صحاب البارتي كومونيست لودمان الفرحه عباس quelques militants des ulema comme donc Farhat ibn Mahdi Abban Ramadan ibn Mahdi ont eu l'idée de réorganiser la révolution et là une organisation militaire parce qu'elle manquait d'organisation militaire. Donc, c'est quoi ce congrès? Ce n'est même pas un congrès du FLN, c'est un congrès de l'ALN. C'est un congrès de l'armée de libération nationale. C'est-à-dire pour tracer les objectifs et diviser tout le pays en wilayat et avec des chefs, etc. Donc, une organisation soldatesque, d'une part, et une organisation militaire. Bien distinct. Voilà, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. La révolution avait rencontré énormément de problèmes. Il fallait organiser, donc c'est pour ça qu'on a appelé justement, très justement, Abban Ramadan, architecte de la révolution. Voilà. Il mérite bien justement. Son titre. Justement, Maslam, vous savez, en 1956, عبان يصوض دي جمايو كثير ربا إقلان دي الوقف نتناغد كل يوم داشو يوم نتناغد لاسيميلاسيون يوم نتناغد كل يوم نمكي توالي يمن غيناش دونك دي جا 54 اسمي دي كلونشين القيرا يدرا قوالا كما سلاك يدرا اما كان حساغ بليك إلنا با في الانانيميتي كم سيليا دي كورون بوليتيك نا دي موفمون يمر نيوجد نرا نا بو امبورت لي ريزون نا غيسون كونتر لا ريفوليسيون ارمي نا وزري غير ما زمر داخت ني تسمير Mais bien sûr, il y avait, non, ça c'est très connu, c'est dit même par les historiens, et puis il y a eu quelques, avant le déclenchement de la révolution, il y a eu le CRUA qui a été créé par Boudiaf, comment il s'appelait, enfin ils étaient trois, le CRUA, c'est le comité de l'unité révolutionnaire, voilà. Ce qui avait précédé le déclenchement. Pourquoi? Parce que beaucoup de partis qui travaillaient à l'époque en politique, chacun avait son idée. Même Ludma, le manifeste de Farhat Abbas, il était pour l'assimilation. Bon, après, il y a eu effectivement le problème du MNA, de Msali Haj. Il a quand même le pire. Msali Haj était contre. Il a dit que le peuple n'est pas encore prêt, on ne va pas l'envoyer à la boucherie. Voilà ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'on doit préparer d'abord, on doit préparer le peuple avant de déclencher la révolution. Et les six qui s'étaient réunis. Ils se sont dit non, il faut qu'on ustfara par ensemble la lutte armée, voilà. Donc ils ont pris la décision de déclencher la révolution. Après, bien sûr, il y a eu quelques dissensions, l'intelligence de Abban a fait qu'il a réuni tout le monde. Il a réuni tout le monde, il les a mis tous au même diapason. Ils ont accepté de mener une guerre, une lutte armée. Voilà. Seulement, comme en 54, le 1er novembre, en 54, la lutte armée était impréparée sous Générique Nilak al-Halb. C'est vrai qu'ils ont divisé ça par zone et il y a quelques actions de sabotage. C'est tout. C'est des actions de sabotage. Hein. Ce n'était pas vraiment. دمنيض تنيض ديونو ولا شكيت غنكيني هذيك ملاد قلت وكي تستقشي غا فاكين
فهمت بلي من جمان لي برينسيبو ديريجون كي نخدم من لو كونغري وكل يوم سي ثم تدي روحها ما كنزرا لا ربي بن مهدي سي لا زون 4 سي تي لو بريزيدون دي كونغري درا عبان رمضان سي لو كورديناتور روح كورديناتور دالجي سكرتير دي كونغري يوسف زيروت سي محمد بوكرا سي لا زون 2 كريم بالقاسم سي لا زون 3 عمرو عمران سي لا زون 4 الخضر بن طبالك وسليمان دهيلاش كوموندون عز الدين سي الخضر علي خوجا يا علي ملاح سي لا زون 6 مصطفى بن بولعيد سي لا زون 1 مي مصطفى بن بولعيد في السيافور بير وريح دير هذا ديال الكونغري خاطر يموت قبل الكونغري يموت قبل الكونغري فوالا دونك نكني اش تقسي هو امشي صوت لو اف ال ان نغ سكون ابل لورغانيزاسيون الى ايميرني اكد ان هذا خطر ذي الوقت القران يخدم الكونغري امشي صوت لو اف ال ان ذي الوقت النين اذ يخدم من كونغري كلونديستان بوندون لا غير بلا ما تفق فرنسا ايه سي فري بون il faut savoir aussi que le congrès ne devait pas avoir lieu à Ivry ou Zlevi. Le problème, il y a eu un problème qui a intervenu. L'armée française avait intercepté des documents qu'il allait avoir un congrès, mais pas à Ivry ou Zlevi. Ailleurs. Donc, l'armée française, elle était concentrée à surveiller ce qu'elle avait découvert comme lieu. Et l'intelligence, justement, des organisateurs de ce congrès, eh ben, ils ont choisi un lieu bien stratégique. Il faut voir le lieu. Il est vraiment stratégique. Il s'est situé à Ivry-sur-Seine. Il est situé sur une crête vraiment des fois inaccessible pour l'armée française. Inaccessible. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas, serait là la route, parce que bon, ça a été réalisé après. Mais il m'est né au lèche. C'est une crête. Moi, je me souviens quand j'étais responsable du journal du parti, vraiment une interview et Mouloud, le maire de Ivry-sur-Seine. Bon, il m'a présenté des gens qui étaient présents là-bas, qui avaient assisté au congrès, et Hussein Khmelessa, naturellement. Eh bien, même à Ouzlevin, personne ne savait qu'il y allait avoir un congrès. Donc, c'était un secret, c'était tenu au secret le plus secret. C'était vraiment très secret. Il y avait le commandant Sihmimi, Amirouj avait organisé, il avait organisé aussi des compagnies, des pour protéger le congrès. Donc voilà la stratégie, c'est qu'il fallait changer de place. Il fallait changer de place, et c'est ça l'intelligence, justement, des organisateurs du congrès. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Il faut que le congrès, il fasse. Il y a eu un congrès là-bas. Et elle s'est mise à bombarder toute la région. Et d'après Mouloudj, le maire d'Ivry, il m'a fait savoir qu'il y a eu plus de 2000 personnes 2000 personnes qui ont été évacuées, dégagées du site, parce qu'ils ont bombardé et ils ont fait un congrès à sa barbe. Voilà, un peu, si tu veux, un témoignage qui... Et c'était, en effet... C'était pas facile, c'était très difficile. Il fallait donc tout garder au secret. Il va y avoir lieu un congrès de l'ALN à Ivry-sur-Seine. Oui, il y a un congrès de l'ALN à Ivry-sur-Seine.
par un devoir historique, mais on a quitté le monde de l'Anna Fabes. Après, il y a des gens qui ont été en train de la mulinie sera directement à la caserne. Exactement, sera à la caserne. Ils ont détourné le lieu. Ça a été très, très mal. Hein? C'était, ouais, ça ne... c'était des gens quand même. Ils ne sont pas révolutionnaires pour rien, c'est des gens intelligents. Hein? C'est pas... et parmi eux, l'un quand même, ceux qui avaient fait Montecassino, M'Kirim Belkacem, ou Batou Khamen, Montecassino, ils savent, ils connaissent bien les stratégies militaires, pas moi. Donc, Machine de Hajjara, c'est les Riven. Donc, nous voilà, aimerions donner. La tenue du congrès, la tenue du congrès, elle était vraiment très organisée, protégée et surtout alimentée. Était alimentée. Nous aimerions donner que dans lequel on a posé ces gars parce qu'à Walisamir, mais quand même, on a guéri que Dieuzan, nous n'a pas dit que. Mustapha Ben Bouled, il mousse donc la zone 1, il n'est pas représenté. À cause de la délégation extérieure, la délégation extérieure dans nos saoudnères de chemin, à travers le Tsouahar Sfilasson, ou de chemin dans nos canara, dans le néglige chita et de commencer à chouiller au Mgared entre la délégation extérieure. Voilà. Parce que Ben Bella, il a cloisonné. Il n'a pas. Et Ahmed n'était pas au courant. Il y avait un congrès qui allait se tenir à Ivry-Ouzlègue. Il venait de rentrer de New York, il était à Madrid, il ne savait pas. Il ne l'a su qu'à la dernière minute, mais même à la fin du congrès. Il a reçu effectivement le rapport, la plateforme et tout ça. Et il a félicité même lui-même, il a félicité toute l'organisation et les participants, évidemment. Ahmed, même s'il avait quelques petites remarques à apporter, ce n'est pas vraiment très, très important. Il a vraiment adopté. Il a adopté ce congrès. Il a adopté. Par contre, Ben Bella, il était tout contre. C'était le seul qui était contre ce congrès. Hein. Parce qu'il tient à l'orientation nasiriste. Parce que, je vais te dire, c'était un nasiriste. Il était un allié à Fethidib, de Mokhabarat égyptienne. Au patron des Mokhabarat égyptiennes. La preuve, c'est que quand Ben Mehdi, au déclenchement de la révolution, il y a des Al-Nassar. Mais il y a des Al-Nassar. Ben Mehdi, il est allé en Égypte, c'est pour avoir de l'aide militaire. Et bien, Smi Dizran, Jamal Abd al-Nassar, il s'est fait le signe qui fait que tu m'as rien de connu, tu m'as rien de connu, tu m'as rien de connu, tu m'as rien de l'humiliation. Et Ben Mehdi, il est rentré, il ne lui a même pas répondu. Ça, c'est un témoignage de Ben Aouda, colonel Ben Aouda, c'est Rahman Rabbi. هكا استقسيني ظن عبد اسماعيل استقسيني ظن ليزيستوريان غي مسنون وذا كي تنادي من ذكم زروي دقس غيرسان دي قران لكن الكونغري دلا سومام سي لو برون ستركتورال سي تي لو تورنو بور لا ريفوليسيون استادير اسمي اقبل الكونغري دلا سومام اما كان لا ريفوليسيون لا مهمل ولاش قرو ولاش يا با ستركتور ولاش لا كورديناسيون mais du seul congrès de la SOMAM, ils ont créé des structures, c'est-à-dire des structures, des comités, c'est-à-dire des responsabilités, chaque région, il y a un responsable à qui il faut s'adresser, des hiérarchies, c'est-à-dire des structures. دار حصل تجرى ولا يكيا سايس يجدو دسعة يتنغف في يتنغف تجرى ولا يكيا مي ما تشي كان كمهمل
دونك ما زمرضا تهضر هذا في الشيء كذا شو قال نقضي سير لو بلان ستركتورال اقضي لو 56 ذا شو دي بو ذا جديد لو كونغري دو لا سونام سير لو بلان ستركتورال بعد وي لا دي زوار بلي لا ديكلونسمون دو لا ريفولوسيون مالغري كيل يا يو لا ديكلاراسيون ايتترا با ماد كي ايتي tout le monde le sait, elle a été tapée et distribuée, bon, pas de problème là-dessus, le déclenchement a été fait, mais il n'y avait à cette époque-là, il y avait des hommes, c'est-à-dire qu'ils ont chargé finalement des hommes, et ces hommes-là, c'était les gens qui étaient prêts, c'était les six, hein, les six, hein, tout le monde connaît les noms, hein, on va pas... les six, ils ont pris chacun une zone, avec des objectifs de sabotage. Sabotage. C'était pour marquer le début de la révolution et pour intéresser le peuple, pour dire au peuple, voilà, il y a une insurrection. Voilà. Donc, il n'y avait aucune structure mis à part les chefs de zone. Il y avait des chefs de zone. Et chaque zonal avait son groupe d'hommes. Ah ben c'était un groupe d'hommes, ils n'étaient pas très nombreux, c'était pas des compagnies, ni des petites sections comme ça. Pas mal. On peut les compter, je sais pas, l'un des sections il s'en 20, 25 hommes, l'autre il s'en 15 hommes, chaque, pas mal. En Kabylie, parce que en Kabylie il y avait déjà un embryon de révolution avec la sortie au maquis d'Omran et de Kerim Belkacem avec leur groupe. Il y avait un groupe déjà qui était en guerre contre la France. C'était, j'allais dire, une guerre régionale, c'est-à-dire au niveau de la région de la Kabylie, c'est tout, il y avait un soulèvement. Mais après, évidemment, Kérim avait été convoqué par le comité central à guide du PPA, et là, il s'est expliqué, et il s'en est même pris une empoignade avec Mseli Hedj, et c'est là qu'il y a eu un désaccord avec Mseli Hedj. Bref, donc il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait absolument rien du tout. Ça a roulé comme ça. Armée de Smidi par Edith Abban Ramadan et Rahmarbe. Et c'est lui, Ibn Mahidi, qui avait décidé d'organiser la lutte. Elle ne s'appelait pas la LN. Vous voyez, elle ne s'appelait pas la LN à l'époque. Où est-ce la LN? Où est-ce l'armée de libération nationale? Elle n'existait pas en 1954. C'était des groupes de révolutionnaires, on peut les appeler révolutionnaires, bien sûr, mais ce n'était pas, comme on l'appelle, c'est de la guérilla. De libération nationale, vous voyez. Et c'est les deux hommes à Guinée, évidemment, en concertation avec les chefs de zone, parce qu'il y a eu un recrutement de révolutionnaires. Entre autres, bien que Amer Roche, etc., ceux qui allaient devenir des chefs historiques, ils étaient déjà dans le PP, il y en a qui étaient dans l'os. Il y avait une organisation paramilitaire. Et c'était grâce. C'est pas pour, parce que je suis du FPS que je vais parler d'Aït Hamed. Aït Hamed, c'est lui qui a été à l'origine de l'organisation spéciale. Et il n'en était pas le premier chef, mais il en est devenu quand même après, parce que Benouiz Dada, etc. Bon, bref, après la... on va pas refaire encore l'histoire. Donc on va aller à ce qui a suivi l'avant-congrès et l'après-congrès. L'avant-congrès, donc, il n'y avait pas d'organisation, et ces hommes-là, Ben Mhidi et ses comparses, Ben Ramadan, Ben Mhidi et les comparses, ceux qui allaient devenir des chefs historiques, et bien, Lenin, Boudouki Keveren et Abelkour, ils ont fait une réunion de 24 heures. Toute la journée, toute la nuit. Hein. Je me suis fait amener tout ça. Ça, c'est les dires d'Aït Hamed.
Je n'en rajoute absolument rien du tout. Donc, il fallait une organisation parce que la ce qu'ils appelaient la lutte armée allait s'essouffler. Eh bien, c'est Mekdentil. Ils l'ont tisonné. Ils l'ont attisé. Ils ont eu l'idée de créer un congrès, et même l'armée de libération nationale, l'ALN. C'était même pas un congrès du FNL, mais sur le congrès, il n'y avait pas, c'est pas un congrès. C'est parce que c'est le congrès, Guy, il y a un an, l'ALN, d'abord, sur le plan militaire. Et en second plan, il y avait aussi un plan politique. Et c'est là que, une base politique, une plateforme politique a été élaborée. Et c'est là qu'on a parlé de la future indépendance de l'Algérie et de la création d'un État démocratique et social. Voilà. Ismaël va dernier de Gigo, la Gigo, à la question de Gigo, Samir. من لورغانيزاسيون ما كلكمسان قد شن ديال الكونغري ديال لاسوما مسفون د شينيس قوما اين من قرن السينيرا اكل سيسي وي اكل سيسي ذا شو استدير سور لو بلان بوليتيك سي سا لورغانيزاسيون بيير جي با اونكور بارلي دي ستركتور باسكو ما بوزي لا كيستيون سور لي ستركتور باسكو لا اون فا بارلي دي شيف دو ايزون ديفيزي. Ils ont fait un zoning, mais c'est pas comme ça, Barak. Ils ont pris la carte de l'Algérie, ils ont dressé un zoning, ils ont fait un découpage en wilaya. C'est comme ça qu'on a créé les wilayas. La wilaya 1, la 2, la 3, la 4, et la 5 qui allait suivre, et la 6 plutôt, et la 6. n'était pas encore décidé. Avec la Fédération de France. La Fédération de France. Voilà. N'était pas encore décidé. C'était après. Après, ils ont, bien sûr, à la fin, ils ont créé un CNRA, un Conseil national de la Révolution algérienne. Il le fallait. C'est un Parlement. C'est le Parlement de la Révolution, c'est le Parlement, le CNRA, c'est un Parlement. Et le CCE, c'est le comité exécutif, composé de cinq éléments. Cinq. Dont Abban, Ben Khadda, Ben Mehdi, etc. Parallèlement à tout ça, attention, il y a eu des sous-structures qui ont été créées au niveau du Congrès. Par exemple, là, ils ont créé la section, ils ont créé la compagnie, ils ont créé le commissariat politique. Vous voyez ? Et chaque wilaya, c'est un commissaire politique. Vous voyez ? Le commissaire politique, lui, est chargé de politiser le révolutionnaire. Vous voyez ? Avec la liaison. Oui, ils ont créé des comités de liaison. Après, par la suite, il fallait créer les relations militaires. Le congrès de la Soumam, c'est quelque chose de grandiose, d'accord. Français, mais elle est très mal comme là, avec des moyens rudimentaires, une petite bicoque comme ça, le Midas, etc., une petite machine à écrire. Mais il y avait les idées. Il faut croire que ceux qui ont composé le comité d'organisation, ce sont des gens qui ont une expérience de la guerre. La guerre, ils ont l'expérience de la guerre. Tu prends un gars comme, que j'allais dire, Amiros,
ben colonel Benoud, tout ça, ils vous disent mais nous comment casser, ils sont nombreux, ils sont très nombreux, donc ils savaient de quoi, de comment organiser, une organisation vraiment irréprochable. D'ailleurs, donc à partir de donc les autour de l'armée de libération nationale, ça les structurines. بعد ذلك أقدر نوع تسمع كنا استقصي في شيء كم توليد للسينيرا للسينيرا للكونسير ناسيونال دي لا ريفوليسيون توليد ما توليد لا كومبوزيسيون نس مثلا مصطفى بن بلعود بار اكزومبل على ليبوك نغانت يبا il fait partie il figure تو هذا الحسين احمد ولا شيء il figure dans la composante de CNR محمد يزيد بن يوسف الخد اي كومبري احمد بن بلك qui était lui même contre le congrès. C'est-à-dire, c'est un peu... Tu vois, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de gens. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de gens. Et pourtant, ils n'étaient pas exclus. Ils n'étaient pas exclus. Au contraire, ils figurent dans le Conseil national de la Révolution. C'est un organe de délibération et d'organisation. C'est-à-dire, une petite couleuche. C'était la démocratie. C'est ça, justement. C'était la démocratie. C'était la vraie démocratie. Non, mais il y avait l'esprit démocratique à l'intérieur de ce congrès. Il y avait un esprit démocratique. C'est ça qu'il faut regarder de plus près. Mais il n'était pas présent, il était membre du CNRA. Et il était absent également, il était membre du CNRA. Autre chose. Après la nomination du gouvernement dirigé par Farhat Abbas, ils étaient en prison. Mais ils ont été nommés ministres. Ils étaient ministres du GPRA. Ouais. Ben Bella était ministre, Ed Hamed était ministre, Boudiaf l'était aussi. Et pourtant, ils étaient en tonne. Non, c'est pour dire que le congrès de la Souma, c'est un miracle, c'est vraiment un miracle pour la révolution. Parce que Sarah Hatchens, Lanier Gazen, Narhamarbin, Sequinsid, Smind Gentimus, Kemmel, mais l'indépendance, ça a chaud, ils auront une isolation en cours de route. Il y a eu des trahisons, il y a eu des règlements de compte, il y a eu. On ne va pas dire que Abel Mdani Moro est son donneur, ça c'était un gros mensonge. Il a été assassiné par ses pères. On est là, Ibn Mahidi. On ne va pas dire qu'il a été arrêté comme ça, à Debussy, comme ça, par pur hasard. Il a été vendu. Moi, j'ai connu l'adjoint de Ibn Mahidi, Ibrahim Chergui. Entre parenthèses, c'est le plan de Sabila, donc je le connais très bien, on discutait à Koubakne. Et quand je lui pose la question, est-ce que Ben Mahidi a été donné, par qui, tout ça, eh bien il reste muet. Il ne me répond pas, il a peur de répondre. Pourquoi? Parce que Jemrak Dine Abelé, il était... menacé, voilà. Il était menacé. Ibrahim Chergui était menacé. Voilà. Pour ça que. Il a caché la vérité, ou la... je ne sais pas, il l'a transformé. Voilà. Beaucoup de problèmes entre. يعني دان الكونفرنس استعمل ديبلوم الكابيتان روجيني لا بلويت ايتترا دونك اي بوكو دو باتريوت كونيتي اليميني ايتترا تو اساسيني با كرو باخي هذا كوم توت لي ريفولوسيون على كل حال دائما يا توجور كيك شوز كي فوالا غران د اسماعيل كيما كان قوالي la structuration du congrès de la Soumam, ils ont fait la structuration, l'organisation militaire, l'organisation
logistique, les bilans et tout. مي خدمة اللي كنا هذاك ديني غندير لهم مجرد على حسب تمسني هو اي مجرد ذم قران يدي كماسان يشرق زمرا دينا يفرق تكمات اسمي دبض لي نوميناسيون ميليتير ان كاس سينو شيف ديتا ماجور اسمي دبض اسمي دبض لكن هذا على القن اللي قرد et oui il faut yuklalen ouest qu'un capitaine ouest qu'un colonel ouest qu'un dinangi geishi isberbim et comme ça tkharbchit tmedoucht ayakli les gars des officiers ou des sous-officiers en général c'est les colonels de wilaya qui les attribuent hein ça me fait mlih c'est laissé à la discrétion du chef de wilaya. Ok. Le problème qui s'est posé, c'était en 58, quand le colonel Houari Boumdine a été nommé chef d'état-major. Et c'est là que les colonels n'étaient pas d'accord. Beaucoup de colonels qui n'étaient pas d'accord, qui ont rouspété la mode. Et ils s'en sont pris même Kerim Belkacem, qui est Rahman Rabbi, et Nanes, qui est là pour cette voie qu'il a. Ils ont voulu Kerim Belkacem, il était ministre de la guerre. Or, Boumdine, il a été imposé par Abdel Hafid Boussouf. Et Kerim Belkacem, il était pris entre deux feux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'assassinat de Abban Ramadan, voyons. Les Tarawabi. Et voilà qu'il le tenait en laisse. Boussouf le tenait en laisse. Il était obligé d'accepter Boumdine. Il ne voulait pas, Kerim. Il ne voulait pas de Boumdine. Et n'est que Boumdine, il a volé ses grades. Il n'a pas. Je ne le garde pas à Boumdine. Qu'est-ce qu'il a fait comme. Il a dit le cœur, il a écart, déjà ma citoyenne, t'as fait des finanines. D'ailleurs, Ismaël Berbi, avant 58, il n'est pas connu. Il n'était pas connu. Qui c'est qui l'a entraîné? C'est Boussouf. C'est Boussouf qui l'a. Il a changé de monter dans. Dans le bateau qui appartenait à la reine de Jordanie. Il n'y avait pas lieu de la raisonner ou la hadja. Il n'avait pris aucun risque. Aucun risque. Mais c'est une autre histoire. Je voulais revenir juste à l'organisation. L'organisation du congrès de la Soumam avait vu très loin. Il y avait de la logistique, il y avait de le financement. Le financement de la révolution, parce que la révolution a besoin de financement pour acheter des armes. Elle avait besoin de diplomatie. Et c'est le congrès de la Soumam qui a initié. Initié quoi? Mais ça, encore une fois, c'était l'idée d'Aït Hamed. Le gouvernement provisoire, c'était l'idée d'Aït Hamed. Comme d'habitude, l'idée de l'organisation spéciale, il fallait avoir un gouvernement qui pouvait représenter la révolution. C'est vrai qu'il y a un CNRA, mais le CNRA ne peut pas être reconnu par les nations. Ouais. Il n'y a qu'un gouvernement provisoire qui peut être reconnu. Il y a eu beaucoup de pays qui l'ont reconnu.
comme étant dirigeant de la révolution algérienne, mais il ne reconnaissait pas le CNRA. Nous sommes prêts à le premier pays qui nous a reconnus, c'est Cuba. C'est Cuba, hein. C'est Cuba qui nous a reconnus. Cuba après la Chine. Et la Yougoslavie. Qui... Voilà. Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de... Moi, il y a eu un travail diplomatique qui a été fait. Enfin, moi, il y avait quand même Mohamed, quand il y a Mohamed Yazid dans la diplomatie, Masha'Allah, Aït Hamed, à la conférence Bandung, et, ben, c'est quand même... c'était un boom, hein. Voilà. Donc, la diplomatie du GPRA a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, Farhat Abbas lui-même, il se déplaçait, il faisait de la diplomatie, Farhat. Vous voyez. Donc, voilà. Mais Farhat, ça, justement, par rapport à Farhat Abbas. Par rapport à Farhat Abbas, Tassida Kikaran, c'est un assimilationniste. Oui, en effet. Asmi Rahargoulos, le colonel Amaral. C'est lui qui a été chez lui. Hein? Inès, voilà, là, il est temps que tu. Il lui a demandé, il a. Djokit Kerim. Farhat qui le répète, Farhat Abbas qui l'a dit. Hein? J'ai l'interview, Inès, l'interview qu'il a donné à un journal allemand. À une station allemande. Et il est allé voir les gens, le colonel Amaral, et Kerim Belkacem. Ils lui ont demandé de rejoindre la révolution. Annuler son Udma, mettre en veilleuse l'Udma, et rejoindre le FLN. Seulement, voilà, je leur ai posé une question. Inès, est-ce que vous me donnez un temps pour me rendre à Paris et essayer d'arrêter cette guerre, négocier pour arrêter cette guerre? Et quel est ce temps? Ils lui ont donné un délai. Il a rencontré Edgar Faure, il a rencontré des personnalités, il a rencontré Edgar Faure, il était président du conseil. Il a rencontré le président du Parlement et le Sénat. Mais il n'a pas eu d'écho. Tant qu'il est revenu directement, il est rentré au Caire. Et c'est là que le gouvernement provisoire a été créé. Il était basé au Caire avant de venir à Tunis. Il était au Caire. Il y a eu un problème avec Nasser. Nasser voulait chapeauter la révolution algérienne. Il avait des visées. Il avait chargé Moukhabarat Hedib pour surveiller les activités du gouvernement provisoire algérien. Tout ça, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que par la suite, il y a eu une répercussion après 62. Le premier voyage qui a été, le premier président qui a été reçu dans l'Algérie indépendante, c'est bien Jamel Abdel Nasser. Il dit au Sénat de Guinée, on était là-bas au forum, le discours Younes. C'est célèbre, c'est une phrase restée célèbre. Il y a eu un homme qui s'est soulevé pour le contredire. C'était Mohamed Khmistef, il a été assassiné. Assassiné, oui. Voilà, tout ça c'est bon, c'est la suite, si tu veux. Ce sont des événements. Voilà, donc après le congrès du 20 août, l'attaque du 20 août 55 du Nord-Constantinois, où Zerot Youssef s'est illustré là-bas,
Alors, pourquoi l'attaque du Gaoul 55 au Nord-Constantinople? Parce que il y avait un manque d'armement, il fallait récupérer des armes. Mais... Et comme Skikda, Skikda, la ville de Skikda, Philippeville à l'époque, c'était une grande garnison de l'armée française. Oui. Et la ville de Philippeville, elle était habitée notamment par des officiers de l'armée française, des colons ou des arabes. Moi j'ai connu ce qui est dans 63, Mirohard et Nazareth. On était en séminaire à Constantine, on a fait donc un petit voyage là-bas. À l'époque, on était tous éphélènes. Avant le 29 septembre, à Yakilé, on était tous éphélènes. Moi, j'étais jeunesse éphélène, voilà. Après, Smidi Rachid Hussein, à la place de la mairie, il a déclaré l'existence du FFS. Farouk, c'est l'éphélène. Aïd Hamed était éphélène. Alors, bon, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi, pourquoi. Donc, voilà. Il fallait récupérer des armes. Soit je suis attaqué, c'est une fouchille. Il est vrai que les moudjahidines de l'époque, beaucoup ont trouvé la mort là-bas. Mais il y a eu une récupération d'armement extraordinaire. Ça a soulagé un petit peu les groupes. Les groupes, parce que c'était des groupes, il ne faut pas croire. Mais c'était des petits groupes. Il ne faut pas croire qu'il y avait avant le 20 août 56, il n'y avait pas d'organisation militaire. C'était la guérilla. Il ne faut pas s'imaginer cela. Il n'y avait pas d'armée, non. C'était des groupes. Et après, en plus, il y avait des. France, au Canada, qui n'ont pas pu résister, donc ils ont donné leurs frères, etc. Il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de règlements de compte. M. Hani Bachir, il a été tué. M. Hani Bachir, il a été tué. C'est quelqu'un qui a déclenché la révolution. C'est un des hommes qui a déclenché la révolution à Bessel-Ghoror. Il était du côté de Khanchla. Voilà, tout ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, mais qui va écrire l'histoire, la vraie histoire? Et là, tu vois, c'est maintenant à Bessel-Ghoror. Où est-ce que tu as par jalousie, par. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une organisation militaire. Où laisse les structures à Kadina Samir? Il n'y avait aucune structure. Et c'est grâce au 20 août. Donc, le 20 août 1956, moi, je le considère comme étant un programme. C'est un programme avec un. Aka, les structures qui ont été les structures de le CNRA, le CCE. Le CNRA, c'est le Conseil. Conseil national de la révolution algérienne. Conseil national de la révolution algérienne, le CCE, c'est le comité de coordination et d'exécution. C'est le comité de coordination et d'exécution. Manuel, la composition, c'est-à-dire le rôle de les deux organes, comme le CNRA, c'est comme un parlement. C'est un parlement. Manuel, le CCE, c'est comme un gouvernement, je pense. Manuel, le CCE. Oui, c'est effectivement. Il jouait le rôle également de gouvernement. Pourquoi? Parce que Radi fait le gouvernement provisoire, etc. Manuel, il y a le congrès de la Soumam, il y a le CCE, surtout. Nous avons dit que c'est là, Ben Ramadan, Kirim Ben Qasim, l'Arabie Ben Mehdi, Ben Khaddak, ou Saad Dahlob. Le CNRA, il y a la représentative de toutes les régions, il y a même les suppléants. Toutes les régions étaient représentées, toutes. Même ceux qui n'ont pas assisté
même ceux qui n'ont pas assisté au congrès. Exactement. Vraiment, nous allons dire que ce n'est que les structures à Desmaïl, après l'avènement, c'est ce qui est douze, Le CNRA, il a joué le rôle de gouvernement. Il avait à son actif des contacts extérieurs. Il avait des contacts extérieurs. Il a, par exemple, je ne sais pas moi, il faisait de la diplomatie. Mohamed Yazid, la même chose. C'était tous des membres du CNRA. Le rôle du CNRA était très important parce qu'il y a des décisions à prendre, des ordres à donner au wilayat. Il y a plein de décisions dans une révolution parce qu'après, par la suite, il y a eu la LN, donc une organisation militaire, une armée. C'était une armée. Il fallait donc un genre, si on peut appeler ça, un ministère de la guerre, du moment que le gouvernement provisoire n'existait pas encore. Donc il fallait un organe délibérant. L'organe délibérant, c'était le CNRA. C'est lui qui délibérait de tout. La preuve est qu'à Tripoli, le dernier conseil du CNRA qui a été le 22 juin 62, qui préparait les élections, le référendum pour l'indépendance de l'Algérie, le référendum du 4 juillet, du 3 juillet. C'était lui qui, il y a eu une bagarre là-bas, et jusqu'à présent, la session n'est pas encore clôturée. Elle n'a pas été clôturée. Il y a eu du grabuge, ainsi de suite. Donc le CNRA jouait un grand rôle d'instance délibérante. Elle délibérait sur tout ce qui concernait la révolution. Esme Id Khalqan, le GPRA, à sa tête, Farhat Abbas, et Mermi, il y a eu des structures gouvernementales, donc un gouvernement avec des ministres, ministre de la guerre, ministre de ceci, cela, etc. Et voilà, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, voilà. Après, chacun jouait son rôle. Le CNRA était là pour contrôler le gouvernement. Et dans le CNRA, faisait partie les chefs de wilaya. Ouais. Sinon, ça ne marche plus. Et les gens de l'intérieur, ils ont par le congrès de la préconiser la suprématie de l'intérieur sur l'extérieur. C'est Victor, et l'intérieur, c'est qui veut représenter ce CNRA. Et à l'intérieur de ce CNRA, il y avait les chefs d'état-major des wilayas. Donc, c'est eux qui contrôlaient, si tu veux, le gouvernement provisoire. Donc, c'est un grand rôle. C'est pour ça que je dis que c'est un parlement. C'est comme si c'était une Algérie indépendante avec son gouvernement, son président et évidemment son parlement. Donc, par contre, le comité de coordination exécutif, lui, comme son nom l'indique, il coordonnait des actions. Et l'exécute. Le CNRA décide, le CCE exécute. Il met en exécution. On a choisi des hommes entreprenants et qui savaient organiser l'exécution.
ils sont cinq. C'est des gens qui sont. C'est eux qui vont organiser le congrès de la Soumane. Pour organiser un congrès de telle ampleur et ne pas savoir diriger une action, ce serait une rigolade, quoi. Pas. Donc voilà, c'est. Non, c'était une partition. Une partition bien, bien, bien jouée. Voilà. أستقسينيذن دسمايل إيش بير بذاني إلا شوية الخلاف ومجارد أنتر لو FLN أن تانك بوليتيك أكوذ لايلن أن تانك ميليتار لا رولاسيون إلا أنتر لو FLN إلا إلن إلا نورمالما إل دوري با يغوار Ce dilemme ne devrait pas y avoir. Pourquoi ? Parce que le FLN est une entité politique. D'accord. D'accord. Et l'ALN est une entité militaire. Ah ben, le ministre de la Cabine, on est indépendant, normalement, l'armée dans les casernes, elle a son rôle, c'est protéger l'intégrité du territoire. D'accord. D'accord. Moi, je ne vais pas parler du FLN, on va parler du gouvernement légitime, disons, voilà, un parlement légitime. Le parlement légitime, lui, il statue sur les orientations politiques du pays, parce qu'il est majoritaire, ou voilà, équipe. Eh bien, le FLN, il y avait, pourquoi, parce que ce que j'amène, le FLN, s'immiscer dans les affaires de l'ALN et l'inverse aussi est fait du côté de l'ALN. Hein. L'inverse a été fait du côté de l'ALN. C'est pour ça qu'il a une guerre. Donc voilà.